Nouvelle chanson, nouvelle artiste. Elle a 25 ans. Elle a grandi à Nice, mais sa passion l'amène jusqu'à Paris, où elle se produit dans les bars. Ce soir, c'est l'Eurovision qu'elle vise. Avec une chanson totalement inédite. Mais pour se présenter à nous, Noé a choisi de reprendre Le Paradis Blanc de Michel Berger. Voici Noé. C'est une vraie surprise, en fait, ma participation à Destination Eurovision, parce que avec les copains, on s'est dit, OK, on a envie de faire une chanson pour l'Eurovision. On l'a envoyée avec ma voix dessus, juste pour qu'il y ait une voix de référence. Et au final, j'ai eu un retour positif. Et je me suis dit, je fonce, c'est le destin, il faut que je le fasse. À la base, je suis compositrice, mais en fait, j'ai chanté toute ma vie. J'ai fait pas mal de concours de chant il y a quelques années. J'ai chanté des chansons vocales, j'ai fait du français, j'ai fait du brel. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, il y avait un style que j'adorais faire, il y avait une langue que j'adorais chanter. C'est de la variété française, quelque chose de très organique avec plein d'instruments. C'est mon univers, en fait. D'imaginer que je pourrais chanter à l'Eurovision, c'est irréel, mais c'est tellement tentant. Je trouve que depuis la participation d'Amir, la participation d'Alma, il y a un entrain. J'ai eu un coup de cœur énorme pour le gagnant de l'année dernière, Salvador Sobral. Il a apporté quelque chose d'un peu ancien, si je peux dire, qui m'a poussé à faire ce concours. C'est génial de défendre sa culture musicale et je le ferai aussi bien que je peux. Ça me fait vibrer de me dire que je pourrais vivre ça avec mon équipe que j'adore. J'ai vraiment envie de les voir assis sur ce petit canapé avec les drapeaux de la France. Fais le petit drapeau. Drapeau. Je m'appelle Noé et ce soir, je vais réinterpréter Le Paradis Blanc de Michel Berger. Il y a tant de vagues et de fumée. Magnifique chanson qui a été aussi chantée par France Gall. Et pourquoi avoir choisi cette belle chanson, Noé ? Pour être honnête, c'est une chanson que j'aime depuis que je suis toute petite. Elle me tient très très fort à cœur et je crois que c'était le meilleur moyen de faire un clin d'œil à cette grande dame qui nous a quittés. Voilà. Magnifique. C'est maintenant l'heure pour Noé de se livrer. Elle nous interprète une chanson qu'elle chantera peut-être pour représenter nos couleurs à l'Eurovision.